Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, une semaine après, je continue mon let's play, désolé. J'ai pas travaillé pendant une semaine, mais j'ai pas eu le temps de réaliser les vidéos. Donc du coup, ben voilà, c'est ce qui fait que ça a pris du temps pour moi réaliser ces vidéos. Donc voilà, une semaine que je vous ai quitté, donc toujours à cet endroit. Et donc on se retrouve toujours plus motivé que jamais. Guy2Play fait son let's play sur The Last of Us. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que mes 4 précédentes vidéos vous ont bien plu. Et j'espère que les vidéos suivantes, vous plairont encore et toujours. Donc là, je sais pas où on va. Allez, c'est reparti. J'ai vu qu'il y avait un passage ici. On va toujours fouiller, hein, comme d'habitude. Fouillons, fouillons, car ce jeu est rempli de mystères. Brochure médicale. Lire. Zoom. Lire. Voilà, tout en grand. Kedok. Bout de bois contre bout de bois, c'est super. Ah là là. Joël, Ouais, merci. J'avais vu Madame Tess. on pourrait couper par là. Ouais, ça a super bien marché. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Je sèche. Oula. Aïe 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 aïe. Faire attaquer. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il va y avoir? T'as un truc sur ta chaussure. Trop cool. Dégueu. T'as un truc sur ta chaussure. Ok. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Ben, on se fait bouffer, non? Comme ils sont à l'extérieur là. Marlène pense que t'es immunisé. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Et voilà l'établi. Voilà, je pourrais utiliser mes engrenages. Ouais. J'ai. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. Ok, j'en ai 46 et il m'en faut, bah, comme vous pouvez le voir, hein, j'étais dans le centre 75. Commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Et avec Marlène, tu t'es fait mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas descendu sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. Voilà. Ça fera très bien. Ça part vite quand même, hein. J'en ai pas trouvé beaucoup, beaucoup. Et ça disparaît à vitesse grand V. Ça aussi. Tiens, on va aller regarder sa sacoche. Oh, les médocs. 20. Alors, rayon d'écoute, temps de confection. Le temps de confection, je sais pas si c'est très utile. Je vais améliorer ça. Ouais. Ça sera cool. Je pourrais écouter un peu plus loin et un peu plus visiblement, on dirait. Le camion il cache Walou. Alors comme je vous ai dit au début, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai repris le boulot après une semaine de repos. C'est pas une semaine de vacances, c'est juste une semaine de repos, c'est mon roulement qui veut ça. Et comme mes enfants, pardon, sont en vacances,
Et ben forcément, je peux pas jouer à ce jeu là devant eux, ils sont très jeunes. Donc c'est pas possible de leur montrer des images pareilles. J'espère que vous me comprendrez quoi. Bon, alors là j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Dans le jeu, c'est bien de prendre le bon choix. S'ils me disent que c'est par là, je vais par là. S'ils me disent que c'est par là, je vais par là. Parce que ça voudrait dire que... Ouf, allez. Coton. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Ça a l'air d'être par là le chemin en fait. Ouais, je... Qu'est-ce qu'elle a fait? Dessous, on sait jamais hein. Voilà, comme quoi je sais pas ce qu'elle a foutu Ellie pour dire désolé comme ça, mais elle a dû faire du bruit. Délicieux. On va regarder ce que ça fait justement ce pendentif. On va zoomer. Ok. Carré. Ouais, donc c'est un pendentif banal. Hein. Mignon tout plein. Une visite guidée test, non? Non, tu me fais pas visiter. Bon, putain, c'est tout petit, tout défoncé. Pourquoi ils disent merde? Des fois ils disent des trucs là-dedans, je comprends pas vraiment pourquoi. Je sais pas, ça fait un peu flipper quand même, hein. C'est assez sombre. Ok, attention à la tête. Vite, go, go, go! Joël! Joël! Je suis en vie! Je vais essayer de vous rejoindre! Tess! Go! Go! Merde! Ah bah voilà. Alors, mon rayon d'action est quand même assez élevé. J'en vois 3. Et je passe par où? Ok. Ouais, forcément. Tant qu'à faire. Ça m'étonne devant ma porte et comme ça je suis baisé. Death! Ouais, oui, bien sûr. Ah,
Voilà, ça c'est fait, une nouvelle fois. Je me fais bouffer tout cru. Il n'a pas fallu longtemps pour que je me fasse bouffer. Sur un très rapidement. En même temps, je crois qu'on peut les tuer que au sur un cela. Pas sûr. Pas faire le fifou. Pas me faire tuer une deuxième fois. On va faire ça prudemment. Oh boulet. Oh petit boulet. Pas comme dans Hitman. Dans Hitman, on peut voir où est-ce qu'il se dirige en faisant le la technique, mais là. Ouais, c'est que sur un. Il m'en reste un. C'est pas possible. Alors là, je sais pas si vous y croyez. Ils mettent du temps en fait à réagir. Ou... Non, non, ils mettent pas du temps. Elle a rien entendu. Enfin, elle, oui, le. On dirait que c'est elle. On dirait que les crackers. Les... Regardez à quoi ça ressemble. C'est aveugle, hein. On va en profiter. Voilà. Toujours y aller prudemment, on sait jamais qu'il en reste. Récupérons la bébé, la bébé, la bébé, la brique. Je pense... Ah maman, j'ai encore raté l'avion. C'est là Harry qui va arriver au sommet. Enfin, Marvin, pardon, Paris, Marvin, qui dit à Harry justement la bike, et pendant sa tronche, c'est très très drôle. C'est un vieux film, mais ça m'a toujours fait kiffer depuis que je suis petit. En même temps, imaginez-vous chez vous tout seul avec. Avec des méchants. Qui viennent vous cambrioler. Alors, j'ai quelque chose de plein, donc à mon avis on va fabriquer des objets, puisqu'en plus j'ai plus de surin. Donc bon, on va en fabriquer, on va en confectionner. Voilà, comme ça normalement du coup je peux reprendre. Magnifique. Sur un. Oh oui, ça vaut énormément le coup. Ça c'est tip top.
pas, ça va être vite fait, je vois. Ah là là. Tess? Ellie? Peut-être par ici? Ah, il essaye d'attaquer une porte, on dirait. Et lui, c'est pas un claqueur. Non, c'est pas un claqueur. Je crois qu'ils sont derrière cette porte. On les entend se battre comme deux folles. Enfin... Bah dis donc, comment ils sont? Ça y est. Épée. Kung Fu. Qu'est-ce qui balance des cailloux? C'était bien trop juste. Ah oui, ça c'est clair. Kung Fu. J'en ai abattu combien là? Une. En arrivant, 1 sur 1, 2, 3, 4. Et ici, 5. Ouais, et 5. 5 mecs quand même. Oh la vache. Heureusement que c'était pas autre chose parce que je crois que j'aurais été bouffé direct. En même temps, elles se sont aventurées dans un endroit où... pas possible. Ah là là. En tout cas, c'est mignon, petit musée stylé. Hein. Ah, ça me fait penser à la nuit au musée. Bon, pas la reste, mais tout au moins le cavalier là. Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflé. Par ici, ça nous mènera au toit. Temps normal qu'elle soit essoufflée, quoi. Ah, ici, ça nous mènera au toit. Ah, sauf que là, je peux me casser la gueule. Le jour se lève. Trouver un moyen de traverser. Le soleil vient de se lever. C'est ce bâtiment. Encore une belle journée. Donc, pour vous dire que le Capitole c'est là, juste derrière la flèche, juste en dessous là. Ok. Ah d'accord. Elles m'attendent. Poussez-vous. Excusez-moi. Poussez-moi. Excusez-vous. Bon. T'es gentil, Jojo, mais. Je suppose que c'est par là, puisque le Capitole est par là. Bah, magnifique. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais. Tiens, vieux. Tais-toi, va. Elle s'est fait bouffer, pas toi. Hein. Non, moi je veux pas y aller. Non. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé,
traîne pas. Ouais, bah merci. Moi, je veux visiter les toits, alors. J'ai envie de... Oh non. J'ai pas été dans le coin. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. C'est marrant, elle. On peut pas avoir d'affinité avec quelqu'un. Les gens, ils sont bizarres dans le jeu, quand même. C'est... tu fais ton truc et tu te démerdes. Tu laisses les autres mourir. C'est des égoïstes. C'est juste derrière. Allez. Ouais, allez. Bien, chef. Oui, chef. Ne t'arrête pas. Ouais, t'arrêtes pas, t'as raison. Du coup, j'ai raté plein de trucs, là, je suppose. Putain, ça me dégoûte. En plus, ils te foutent bien, tu sais, un bout d'échelle, là, où tu peux pas y aller. Que c'était bien niqué. Pourquoi je fais toujours les endroits où il y a vraiment rien, quoi. Bah tiens, il y a pas juste rien. Regarde ça. Il a le symbole des lucioles sur le bras. Ouais, il a pas que. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts, ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Écoute, tout va bien. Pas un médaillon. Ok. Par contre, il n'est pas transformé. Je suppose que la poubelle, bah ouais, forcément. C'est tu t'es fait logique. Joël fait les boueurs dans ce jeu. Pardon, mesdames. Une poubelle à vider. Allez, sautez. On y est presque. On y est presque, Tess. Alors, on y est presque, il le dit doucement, je suppose que c'est pour Ellie. Et comme Tess a le même âge que Joël, donc il le crie plus fort puisqu'il croit qu'elle est sourde, je suppose. Non, c'est une boutade, c'est pas possible. On y est presque. On y est presque, Tess. Ok, d'accord. Tu viens de le dire deux secondes avant, tu crois que c'était pas entendu ou quoi? Connard, va. Juste pour info, je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Moi non plus, je sais pas nager. Bah, à gauche, c'est pas profond. Comment ça? Je sais qu'elle vous pète, ça. Je voulais vous dire merci. T'as long à la poitrine. Je peux pas. Bon, je fais toujours le tour, hein. Je me répète à faire le tour. Mais ça peut être utile. Et d'ailleurs. Mais pourquoi ils te foutent des bateaux comme ça devant un gros bâtiment? Enfin, ouais, très très logique. En fait, pendant qu'il y a eu les zombies, il y a eu une montée des eaux phénoménale. Du coup, il y avait des bateaux. Vous êtes gentil, moi je visite d'abord maintenant avant de faire quoi que ce soit. Voilà, et à chaque fois je me fais carotte. Quand je le fais, il n'y a rien, et quand je le fais pas, je tire à plein de trucs. Ça me dégoûte. Oh. Non. Non, non. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment?
Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi ? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que tu... Non ! Ne me touche pas. Oh, merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas... Fais-moi voir. Oh, merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où elle est. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors, tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars ! Allez, fous le camp. Ellie. Désolée, je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. On sait que vous êtes là. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça! Ah, ok, voilà pourquoi elle est si méchante. Oula! Tais-toi! Vous avez vu ça? Regardez comment il court vite! Eh, Joel Sprint! On va se barrer quand même, hein. On va éviter de faire le fifou. Par contre, il y a 2 escaliers. Continue d'avancer. Elle a descendu 2 de mes hommes. Bien sûr. Vous. Tess. Vous, avec moi. Bien sûr. Allez, merde. On va se barrer. Hop, une nouvelle arme. C'est magnifique. Pareil. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Joël ! Je m'en occupe. Allons dans... Headshot. Oh merde, il y a du monde. Oh. Vous avez vu ça ? Je bouge pas en plus. Je crois que je l'ai figé. Et en plus, je peux lui mettre headshot. Oh! Bah ouais, qu'est-ce que tu fous, toi? En plus, il va me prendre à revers et tu rigoles. Viens, Ellie.
Ouais, mais... Ok, viens Ellie, mais c'est par où? Allez, viens. T'éloigne pas, allez. Ok, j'aurais pu les contourner, quoi. Comme fouiller un peu, tant qu'à faire. Ok, on va traverser cette salle. Forcément, il y a du monde. Oh, punaise, ouais, il y a beaucoup de monde. Une, deux, trois, quatre, cinq. Eh merde. Allez. Ah c'est foutu. Tu fais griller. Ellie s'il te plaît. Bah ouais mais t'es comique. Bah ouais mais Ellie elle se fout devant moi aussi. C'est nul. Ouais non mais normal quoi. Je suis mort. On va essayer de se soigner. Ok. Aïe. Celui-là. Toutes mes balles. On les attire un coup à droite, un coup à gauche. Gros bourrin. Il ne donne rien du tout. Thank you.
ça c'est décevant, décevant, décevant. En position et attendez les renforts. 5 sur 5. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je regarde de ce côté. Va voir de ce côté. Mais où est-ce qu'ils sont, putain? Est-ce que tu fais aller-retour ou juste aller? Bon, c'est pas grave, je m'en vais. Et reviens. Ok. Oh merde. Ah, Joël ne sprinte plus. Noir de chez noir, hein. Donc réglez pas votre écran de d'ordi ou votre smartphone. Bien que sur smartphone on voit pas grand chose, mais c'est super sombre. Même. Oui, c'est vrai. On va trouver une solution. Oh, on voit mieux dans le noir. Passage souterrain, je suppose. Un souterrain. Aquatique. Passage aquatique. Allez! Ça, je peux pas prendre. Ah là, il y a quelque chose.
regarder sous l'eau s'il y a pas des choses à ramasser. C'est vrai que je fais. Je vais à la va-vite là. Peut-être des choses de. Cachées. Non, remonte. Ah bah, Ellie a trouvé une lampe torche. C'est cool. Where are you? Qui est là? Non, Joël, non. Non. C'était vraiment tout juste. Et j'ai quand même bien fait d'aller par là, comme par hasard. Allez, plongeons. Ellie m'a... Ouais, elle m'a envoyé l'échelle. Rancunière, moi tout à l'heure je me moquais de Tess et en fait elle nous râlait dessus parce qu'elle était infectée. Donc quand ils sont quand les humains sont infectés, ben comment dire, ça les rend très énervés, très agacés, très mauvais. Et du coup c'est pour ça à mon avis qu'elle me parlait un peu comme un chien. Ah bah voilà de la lumière. Et ah bah. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. On ira plus vite en passant par là. Hmm. C'est vraiment une bonne idée. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. Quelqu'un
quelqu'un a faim? Non. Attends, il se laisse pas faire. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Il y a tous les chemins, je vais faire un peu tous les chemins. Faudrait bien avoir une autre solution. Histoire de trouver quelques munitions, puisque j'ai tout foutu sur la gueule des militaires là. Je suis un peu emballé. Pas aller par là. Toujours comme je vous dis, toujours bien regarder partout. Voilà, ça. Plein. Pourquoi ce plein? Ah ben, on va fabriquer un kit. Zieton. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois bien. Donc on va aller par là et je vais vous abandonner sur cette partie avant qu'il nous arrive d'autres péripéties. Donc, bon, devant cette grille là, on va voir. Parfait, une grille fermée. Voilà. Donc on va se retrouver dans la partie numéro 6 pour savoir comment passer hors de cette grille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Là, je vais laisser parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites-la partager un maximum, s'il vous plaît. Ça me fait toujours plaisir de voir chaque jour une évolution sur ma chaîne, des nouveaux abonnés, des nouvelles vues. Et ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc on est à quasiment 50 minutes de jeu. Bon, je me suis fait bouffer une fois, excusez-moi. Je vais réellement essayer de plus me faire bouffer. Et voilà, sur ce, à très vite. Je vous remercie, salut à tous.